Je ne vois encore rien en toi qui ne soit perfection. Cependant, si tu penses à moi ainsi que j'en suis persuadé, est-ce sous les traits d'un poisson que je t'apparais? Oh. Ah, ce dessin n'a rien à voir avec toi. Tu es trop belle pour qu'on te laisse dessiner toute seule. C'est pour cette raison que tout à l'heure je t'ai demandé de m'attendre. J'ai veillé parce que je n'ai guère envie de dormir. Crois-tu que j'y tienne? Écoute-moi, Ligie. La nuit est jeune encore. Et cette demeure n'est pas digne de telles prémices. Rendons-nous chez Pétrone. Tu verras régner une gaieté que tu ne soupçonnes pas. Des danseurs, des musiciens, des chanteurs, les meilleurs de Rome. Mon oncle a du goût. Il a fait bâtir une maison que l'on dirait conçue par la déesse de l'amour. Non. Non, il est trop tard. Je veux dire, c'est impossible. Je comprends. Peut-être aimerais-tu mieux une retraite plus discrète. Est-ce que demain te conviendrait? Tu viendras assister à mon triomphe, je suppose. Et demain soir, au palais, il doit y avoir un festin à faire pâlir les dieux. Non. Non, je ne tiens pas à assister à ton triomphe demain. Il faut que je rentre. Bonne nuit, Marcus. Dis-moi, qu'y a-t-il? Quoi? Qu'as-tu découvert qui te donne cet air-là? Je mentirais en prétendant que je ne suis pas attirée par ce que j'ai découvert en toi, Marcus. Mais alors? C'est ce que j'ai entendu qui m'attriste. On se fait forcément des ennemis en devenant célèbre. Qui a pu te dire du mal de moi? Toi-même, de tes propres lèvres. Tu as raconté de sinistres histoires de conquêtes et de massacres. Des conquêtes, mais qu'est-ce qu'une conquête? Sinon, le seul moyen d'unir et de civiliser le monde sous notre domination, même s'il faut verser un peu non. de sang. Ce résultat s'obtiendrait d'une façon plus douce, plus efficace, sans combat ni hécatombe. Sans esclaves ni captifs ployant sous les chaînes qui les rivent à ton char triomphal. On aura toujours besoin d'esclaves. Qui travaillerait? Paul parle d'un monde où il n'y aura plus jamais d'esclaves. Ce va-nu-pied de philosophe est stupide de farcir ta jolie petite tête d'un tel monceau d'ânerie. J'étais folle de croire que tu pourrais comprendre. J'aurais voulu que tu sois une esclave comme je l'ai cru. J'aurais sûrement offert un bon prix de toi, une rançon de roi pour une fille de roi. Et ensuite, tu m'aurais conduite en Sicile, avec toutes les autres. Sur le meilleur navire. Oh. Quelle façon pour un conquérant de conquérir une femme, s'abaisser à l'acheter comme on achète une bête. Mais faut-il donc que tu manques de confiance en toi, en ton rôle et en ta mission, Marcus Vinicius? Que tu dois donc te haïr, te mépriser au fond de ton âme. Tu oublies que tu es une otage de Rome, sans doute. Ici, jeune otage, reviens ici! Laisse-la partir, écarte-toi. Je veille sur elle, maître. En vertu de quels ordres? Qui es-tu? Je suis Ursus. J'ai été le garde du corps de son père. Je suis le sien aujourd'hui. Garde-la bien, vivante image d'Hercule. Garde-la bien. Elle n'a pas l'air d'avoir duré bien longtemps, ton idylle. Il y a toujours un moyen de reprendre une colombe qui sauve, mon ami.